Bonjour, je m'appelle Aria. Moi, c'est Elisa. On est de l'association Replicart et bienvenue dans Replica. Printemps ou été? Ben, le festival, c'est au printemps, du coup, je dirais printemps. Après, l'été, c'est cool quand même pour pouvoir se reposer après le festival, justement. Et aller à d'autres festivals aussi. Ouais, et participer à d'autres festivals. Facebook ou Twitter? Facebook, nous, on communique évidemment, enfin, beaucoup plus par Facebook et Twitter. On va peut-être s'y mettre. Ouais, faudra voir. Ouais. Stylo ou souris d'ordinateur? Ben, aucun des deux parce que j'utilise un pad plutôt, mais... Sinon, le stylo, ça peut être cool des fois. Ouais. Université Jean Jaurès ou Capitole? Jean Jaurès. Parce que ben, c'est là où il y aura Replicart, c'est là où on est étudiantes toutes les deux, donc... Jean Jaurès à fond. On n'est pas fermé aux étudiants du Capitole? Non, non plus. S'ils veulent venir, bien sûr, ils sont les bienvenus. Exposition ou pièce de théâtre? Ben, les deux, parce qu'on propose plusieurs activités dans le festival, concerts, débats, expos et pièces de théâtre du coup, donc les deux et même plus. 40 ou 400 adhérents? 40 parce que c'est le nombre de bénévoles et 400 parce qu'il y a 400 adhérents et qu'on fait adhérer tout le monde. Action ou vérité? Ben, action, parce que nous on est dans la lutte contre le sexisme, le racisme et toutes autres sortes de discrimination, homophobie, tout ça, et qu'on met en place aussi sur le festival. Avec un service d'ordre qui est quand même assez attentif à l'écoute, les bénévoles aussi. On demande à nos adhérents et aux festivaliers d'être dans le même état d'esprit dans cette lutte. Fréquentation, 200 ou 450 personnes? Les deux, mais aucun des deux. 450, c'était le nombre de personnes qui étaient là l'année dernière en total. 200, ça a été le dernier soir, on était un peu déçus parce qu'il y avait beaucoup d'activités en même temps. Cette année, on espère plutôt pour les concerts 1500, voire plus. Date de création 2013 ou 2015? Bah, 2015, on a commencé l'année dernière en septembre. C'était déjà Jess et Aria qui avaient eu l'idée et on s'est réunis en petit comité entre amis et puis on a commencé à monter ça l'année dernière en septembre 2015. Punk ou folk? Ben... J'ai rien contre le folk, même si je connais pas des masses, mais je dirais quand même plutôt punk, c'est notre programmation musicale de cette année, c'est la musique qu'on écoute, donc sans vouloir dénigrer le folk, plutôt punk. Il n'y a plus qu'à nous retrouver du 9 au 13 mai au Mirail pour le festival Replicart 2, donc festival pur artistique, expo, débat, théâtre et concert, le tout à prix libre parce qu'on lutte pour l'accessibilité de la culture à toutes et à tous, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour plus d'informations. Et sur le site internet qui va bientôt ouvrir. Bientôt. Ah ouais, ok, bah je refais. On va garder du bêtisier, je pense.